Ah, c'est vrai qu'on est très contents ce soir. On avait à cœur de ramener des points face à cette équipe. On savait que c'était très serré en venant ici. Après, voilà, il faut féliciter tout le monde. On a fait un très gros match collectivement. On a été bons. Et franchement, on a récompensé par cette victoire. Marque à la fin. C'est bien. Franchement, il faut continuer comme ça. On est vraiment contents ce soir d'avoir remporté les 3 points. C'était important pour nous. En plus, vous éliminez vous mettez à 5 points un adversaire direct. Ouais, c'est vrai qu'on savait que c'était un match qui était quand même assez important parce qu'on savait que Metz était derrière nous et en tout cas, il ne fallait pas qu'il gagne. Donc voilà, on est vraiment très contents ce soir. Mais là, il faut continuer, il faut s'appuyer sur ça pour encore se battre parce que c'est un championnat très difficile. Donc on va essayer de se battre jusqu'au bout. Mamadou, qu'est-ce qu'on dit à Brian? Ouais, Brian Pelé. Ça a été pelé, hein? Ouais, c'était pelé, putain. Quelle roche, très cool. Ah, c'est bien fait. Bon, Brian, c'est vrai que vous symbolisez, vous, de l'autre côté, mais d'abord le bon coaching, et il a eu le nez creux, Jean-Louis. Et puis la deuxième chose, un rush. Racontez-nous. Ouais, bah déjà le coach il m'a demandé d'essayer de faire un exploit individuel parce qu'on était un de moins aussi. Donc voilà, on était bien en bloc et sur une perte de balle du milieu gauche, je crois, j'intercepte. Après, j'ai le compte favorable. Et puis je repique dans l'axe et je vois Sam qui m'appelle, donc je lui mets, après ça fait but et franchement c'est bien d'avoir gagné parce que c'est aussi un concurrent direct pour le maintien aussi, donc c'est ça le plus important, de prendre les 3 points et surtout... Ils valent pas 10 là ce soir? Ouais, peut-être hein, on le saura en fin de saison, mais on va bien fêter ça dans les vestiaires là et savourer. Tu fais comment pour lui faire la bise le matin? Je lui fais pas la bise, je lui fais le check au pied. Je me baisse.